Project, partenaire majeur au développement de la GTCQ. Que ce soit pour du graphisme, produits personnalisés, t-shirts, vinyles, cartes d'affaires, vos projets sont les nôtres. Voilà le mandat que s'est donné l'équipe de MC Project. Dans tous leurs travaux qu'ils réalisent pour vous, ils obtiennent les succès qui correspondent à vos besoins selon vos critères. Travail de précision et d'efficacité avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Consultez les pros. Situé à Richelieu 581-309-7289 à commercial MC Project 2020 sur Facebook. Alors, bienvenue tout le monde à cette 16e émission de l'Express GTCQ, saison 2 en direct. Une hebdomadaire qui vous est présentée toutes les semaines durant le championnat GTCQ. Donc du mardi 4 mai qui sera axé sur les faits saillants du championnat du week-end. Entretien avec certains collaborateurs qui se joignent à nous. Ne vivez que le pilote Benoît Boutillette, alias Steel Grinder, sans oublier le NASCAR NCQ. Les événements parallèles de nos pilotes locales. Un express qui donne l'heure juste sur ce qui se passe dans les coulisses de la GTCQ, plateforme Messenger, bilan de course, information, potins, effets divers. Pour tout savoir sur nous, eh bien l'express est votre référence. L'Express, c'est parti!
sur Grindr, numéro 22. On écoute l'Express. Salut la gang, ici Bruno Lévesque, vous aimez mieux Extreme GTO 69, fondateur du Team Extreme Team et pilote dans la division 4. Vous regardez l'Express GTCQ. Bonsoir à tous. Salut, c'est Sam, le capitaine de la Extreme Racing Team. Vous écoutez l'Express. Bonsoir à tous, mon nom est Luc Langevin, mieux connu à la GTCQ sous le nom de TRX DHman. Je vous souhaite une bonne soirée à l'Express. Montréal Racing, numéro 29, division 2, capitaine Lacoste Motors, finition de béton Innovatec, vous écoutez l'Express. Bonjour à tous, ici c'est ZRT Corrado Mat, numéro 5, pilote de l'Académie. Vous écoutez l'Express GTCQ. Bonne soirée. Salut les boys de la GTCQ. Ici Denis, TRX, oncle V, numéro 2, de la division Innovatech. En passant les boys de la division 2, vous voyez une gator sur la piste, soyez un peu indulgents. J'ai sauté le moteur de la vapeur, ça a été prendre un char à ma conjointe. Je pense que pour l'instant, j'ai quitté l'Express. Bonne soirée, les boys! Bonjour, c'est T23 TNBAV 23, pilote de la division 3. Vous regardez actuellement le GTCQ Express. Bonne soirée à vous. Bonsoir, ici TGTCQ Jones. Vous écoutez l'Express en direct avec Marco, Chill et Guillaume. Allô, c'est Tommy. Vous regardez GTCQ TV. Salut à tous, c'est Yellow Pinot de la Team ZRT numéro 53, pilote académicien. Vous regardez l'Express. Salut tout le monde. ZRT, Éric Larreau, Division 2, Innovatech. J'écoute l'Express GTCQ. Ciao! Salut tout le monde, c'est ZRT Samuel 21 de la Division 1. Je vous souhaite à tous une belle Express et une belle soirée. Salut la GTCQ, Yannick Goujon, TRX Gougou, du team TRX. Je suis votre photographe. Salut, ici CM Carlemes, pilote de la Détroit. Je vous souhaite un bon Express. Patrick Lozier, Apex Pat, de Custom Motors. Bienvenue à l'Express. Salut tout le monde. Mon nom est Marc Thériau. Vous me connaissez peut-être sur le nom de Mathéo 60, ou même fort probable. Je fais partie de l'équipe de Custom Motors, et tout comme vous, j'écoute l'Express GTCQ. Bonne soirée tout le monde. Vous écoutez l'Express. CM Montréal Racing, division 2, numéro 29. Capitaine de la Custom Motor, vous écoutez GTCQ Express. Salut les pilotes de la GTCQ, ici Pied2K, pilote de la Custom Motor. Je vous souhaite un bon Express. Cette semaine à l'Express GTCQ, présenté par MC Project. Compte rendu de la division Innovatech, collaboration Chilodette. Compte rendu de la division IGA Famille Joudouin, collaboration Carl Clich. Compte rendu de l'Académie GTCQ, collaboration Jasmin Collard. Entrevue avec Benoît Boutillette, alias Steel Grinder, pilote de la division 5, leader au championnat. Capsule sans filtre à l'air avec Chilodette. On vous parle de Derby ZRT et de NASCAR NCQ. Et beaucoup de surprises.
Bonsoir et bienvenue à l'Express GTCQ, votre 16e édition de la saison. Un Express qui est là pour vous, hebdomadairement, pour vous présenter toute l'action du week-end du championnat GTCQ. Vous offrir aussi également des portions de divertissement et d'entrevues avec cette semaine, entre autres, Benoît Boutillette. Nous aurons la chance de vous présenter ce soir à cet Express. Pour m'accompagner ce soir, comme à l'habitude, le retour de Guillaume Nadeau à ma gauche, ainsi que Chill Odette. Salutations, messieurs. Salut Marco, salut Chill. Salut Guillaume, salut Marco. Salut messieurs. Guillaume, de retour à ton poste habituel. On est heureux de te retrouver, toi qui avais un conflit d'horaire la semaine dernière, il faut le mentionner. Oui, mais je tiens à souligner que Carl a fait très bien le boulot. Oui. J'ose espérer qu'on puisse s'interchanger là, dans le futur. Dieu sait que mon siège n'est pas... mes fesses sont pas assez imprégnées dedans encore. On peut encore changer là, de temps à autre. Ben, c'est ça qui est intéressant. On est capable de pouvoir passer du coq à l'âme. T'sais, on a un type de la trempe de Carl Clich puisque on est dynamique un peu plus élevé puisqu'il nous présente des choses des fois qui sortent un peu de l'ordinaire. Et mon ami Guillaume, toujours un peu plus réservé, plus conservateur dans ses propos. Donc, des fois, c'est intéressant de voir les deux formes, Guillaume. Qui est le coq et qui est l'âme, hein? Ah, ben ça, on te le dira tantôt lorsqu'on va te parler, mon ami. OK. Chill Odette, comment vas-tu? On a été tout près de te voir en chess ce soir. Oui, ça a passé vraiment proche. Je tiens à remercier... disons que Fabinos, c'est le seul qui a eu une pénalité pour ne pas avoir écoulé la pénalité au bon endroit. Je tiens à le remercier et éviter une tragédie, un drame à l'Express GTCQ aujourd'hui. Oui, tout à fait, il t'a sauvé la vie, Chill. Il faut le dire de cette façon. Salutations également à tous ceux qui s'intonisent notre chaîne sur notre plateforme YouTube. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir choisi l'Express pour passer votre soirée. Et n'hésitez pas à poser vos commentaires dans la section du clavardage assignée à la diffusion tout au long de la soirée pour nous faire part de vos opinions qui sont très, très, très précieuses pour nous. Bon, messieurs, nous en étions à l'avant-dernière manche de la saison pour la division Innovatech ainsi que celle de IGA Famille Jodoin avant de conclure ce championnat de deux saisons consécutives. Et l'action se transportait du côté d'Interlagos en GR3 sur une formule de deux courses de 20 tours chacune, il faut le mentionner, dans un premier temps diffusé sur GTCQ TV et de l'autre côté de l'Atlantique diffusé par El Loco Sim Racing avec notre ami Frédéric. Sans oublier le groupe académique GTCQ présentait sa 8e et dernière manche sur le Northleaf ce samedi avec nos animateurs Jasmin Collard et un nouveau venu, en diffusion, David Collant, qui était là et a brillé par sa présence. Félicitations à lui. Ça fait très plaisir de l'avoir parmi nous. Pour débuter la soirée, nous allons nous diriger vers notre collaborateur Carclish pour analyser l'essence même de l'action de la division 3 IGA Famille Jodoin, qui a été présenté à la diffusion par El Loco Sim Racing, notre ami collaborateur Frédéric Verdani. Fin de semaine excitante était à prévoir, puisque tout n'était pas joué avant le départ au championnat pour le groupe IGA. Mais de la visite s'est fait remarquer pour cet avant-dernier programme. Carl, d'abord, salutations en premier lieu. Merci d'être à l'Express. Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Carl, un classement qui est littéralement serré comme un étau avant le programme de la soirée de la manchette. 13 points d'écart entre TRX Dave QC et CM Sibo. Effectivement. Donc, à chaque semaine qu'on approche du point culminant, qui est la dernière course, l'écart grandit, rétrécit, grandit. Donc, essayons de voir si on va toujours avoir un effet yo-yo lors de cette fin de semaine à Interlagos. Donc, comme tu l'as mentionné, TRX Dave QC trône en tête à 168 points, suivi par CM Stivo à 155 points. La troisième et la quatrième position, on avait une égalité entre notre ami TRX McFly et T23 Tenebach, les deux à 119 points. Donc, allons voir ce que la première course nous réserve. Au niveau de la première course, on a la pole position qui est gagnée par notre ami CM Stivo, lui qui avait l'impression de performer. Afin de réduire l'écart avec TRX et Dave QC. En deuxième position, T23 Tenebach, lui, qui semblait avoir retrouvé le bon rythme. On se souvient du groupe de connexion dans les dernières semaines passées. Et puis, avait peut-être un début de saison un petit peu plus en dents de scie, mais on voit, il s'est replacé
et a trouvé le bon rythme pour avoir de la constance. La troisième, elle, était détenue par Extreme Drummer, donc c'est plaisant de le voir à ce niveau-là. Quatrième position, un nouveau visage cette année, notre ami de la Custom, CM Lux 77, qui est méconnaissable cette saison-ci. Rappelons-le qu'il avait terminé en force l'année passée, donc peut-être une saison plus difficile pour lui. Il a de la difficulté à trouver le bon rythme, donc c'était plaisant de le voir en quatrième position. Au départ de cette première course-là, pas rien à écrire à nos parents, relativement tranquille comme départ. On le sait, c'était un circuit qui ne favorisait pas énormément les dépassements, mais qui favorisait les erreurs. On l'a vu dans le cas de certains pilotes, je t'en nomme le nom, moi présent. À la fenêtre d'arrêt aux pluies, pas grand-chose de changé. Hein? CM Stivo toujours en tête en première place, suivi de T23 Tenebat, hein, qui tenait le coup. La troisième était occupée par Knight Vaga. TRX Dave QC, lui, relayé en huitième. Notre ami TRX Dave QC, j'ai oublié de vous le mentionner, mais lui partait, si ma mémoire est bonne, donnez-moi deux petites secondes, lui partait... Je pense qu'il partait sixième, j'ai oublié de le noter. Donc lui, à la première fenêtre d'aéropuis, se retrouvait huitième. Donc, ça augurait bien pour notre ami Steve-O. Au final, la première course, chaude lutte entre un Knight Vaga, CM Lux 77 et T23 Tenebar dans les derniers tours. Steve-O, de son côté, l'a remporté aisément. Il s'était échappé en tête et conservé son avance tout au long de la course. La deuxième place du podium est revenue à Knight Vaga. Knight Vaga, on se souvient, début de saison, on n'en parlait pas beaucoup. On commence à le revoir dans le top 3, top 4. Donc, c'est plaisant, lui aussi, retrouver son rythme. Pour compléter le podium, on avait, en troisième position, T23 Tenebat. Je vous ai dit qu'il y avait une chaude lutte entre CM Lux 77, T23T et Knight Vaga. Donc, ça s'est échangé quelques positions dans les deux, trois derniers tours de la course. TRX DFQC, lui, a terminé en septième position. Il clairement resserrait le championnat, le classement général au championnat. Prix orange pour cette première course-là. Je la donne à TRX McFly, hein, lui qui partait 12e et puis qui a terminé 4e. Donc, félicitations à lui. On se souvient, hein, un départ canon avec deux victoires en deux week-ends. Oh, ça a été un petit peu plus difficile, l'ajustement, l'adaptation. Puis je dis ajustement et adaptation, je pense qu'on peut le voir de l'ensemble des pilotes. Le calibre, le niveau évolue de course en course. Moi, je peux vous témoigner, j'ai commencé fort, j'ai de la difficulté à garder le rythme. Tout le monde pratique fort, donc le calibre s'élève de course en course, ça promet pour la dernière course de l'année. Prix Citron, cette fois-ci, CM Karl MS, fin de saison, je viens de vous en parler, excessivement difficile. C'est parce que je déménage, c'est pour ça. Blague à part, je mets autant d'efforts, mais les pilotes autour de moi ont levé d'un cran. Et écoute, c'est le calibre est là, c'est pas gênant, les pilotes sont très performants. Donc, ça fait le tour de la première course, Marco. Deuxième course, ce sera TRX Dave QC qui viendra signer le meilleur temps dans ce super tour de la deuxième course avec un excellent temps, hein? 1:30.569, juste devant Extreme Drummer qui s'installe à la P2. Là, Carl, Sivo se retrouve à la 10e emplacement pour débuter cette deuxième course. On a réussi à s'en remettre du côté du pilote, Carl. Écoute, comme les bons vieux Internet, hein, deux câbles qu'on débranche, j'ai l'impression que l'opérateur a inversé les câbles. Donc, oui. Eric DFQC a subi une mutation entre la première course et la deuxième. Et puis, parce que là, on se souvient, il partait sixième ou septième lors de la première course. Et puis là, il se retrouve en pole position. Faut le dire, le hot lap, tu l'as ou tu l'as pas. Oui. T'as pas 10 minutes, donc c'est le moment. Donc, la pression, c'est là qu'on voit les pilotes qui s'en sortent. Donc, Thierry Descuté a subi clairement une mutation. Première place au départ pour le position. L'an deuxième, Extreme Drummer. La troisième était détenue par notre ami CM Lux 77. Hein, je vous dis, il revient un petit peu dans une saison difficile, qui reprend du poil de la bête, comme on dit. En quatrième position, Knight Vaga. Steve-O, quand je vous dis le hot lap est important, il l'a manqué cette fois-là. Pour avoir été en onde avec lui, il était serein avec ça, mais clairement, c'était pas son meilleur tour. Lui qui partait en 10e position. Donc, le gain qu'il avait réussi à faire en première course, c'est en train de le perdre. Notre ami T23 Tenebat, lui, partait 12e. Allons voir si notre ami Steve-O a réussi à remonter et si Thierry Défixé a réussi à demeurer en tête.
Encore là, au départ, pas de changement. Un bon départ propre de la part de tous les pilotes. Seul petit changement, Extreme Drummer, hein, qui vole la tête au départ à Thierry Desfoucés. Donc, Thierry Desfoucés qui se retrouve deuxième après le départ. Et Extreme Drummer qui mène. Lui qui va mener jusqu'à la fenêtre d'aéroplis, notre ami Extreme Drummer. À la mi-course, hein, je vous le dis, on a TRX Desfoucés, lui, qui est en tête après la fenêtre d'aéroplis parce que Drummer menait. Suivi en deuxième position par notre ami Night Vaga. La troisième, elle était occupée par Extreme Drummer, lui qui était en troisième position. Thibaut, lui, plafonnait en dixième position. Donc, allons voir si la deuxième moitié de course a permis une surprise ou un miracle. Au final de la deuxième course, notre ami Dave, TRX Desfoucés, je vais l'appeler Monsieur Pression, parce que clairement, là, il avait la pression de performer. Il a remporté cette course-là. Donc, encore une fois, ça revient solidifier son avance au championnat. En deuxième position, très belle performance de notre ami Night Vaga. La troisième marche du podium était détenue par notre ami Extreme Drummer. Belle fin de semaine pour lui. Thibaut, lui, a complété la course en 11e position. Prix orange pour cette deuxième course-là, je la donne à Extreme Drummer, lui qui a terminé 6e lors de la première course et puis a eu une pole position lors de la deuxième course et un podium terminé en 3e place. Donc, félicitations à lui. Une belle fin de semaine pour lui. Le prix Citon, on va le donner à Steve-O. C'est rien de méchant. Je pense qu'il va être content. Ça va le fouetter pour le reste de la saison. Mais écoute, il y avait une chance d'effacer cet écart-là des deux pilotes. Puis malheureusement, je pense qu'il l'a échappé dans la deuxième course. Puis il s'en veut. Je sais qu'il va trahir très fort pour la dernière course. Puis savez-vous quoi? Quasiment une bonne chose qu'il y ait une lutte comme ça jusqu'à la toute fin. Ça met du piquant. Tu sais, si l'idée était jouée après 4 courses, on n'aurait pas de plaisir à suivre la saison. Là, je pense que ça amène du piquant, ça met beaucoup de pression pour les deux pilotes. Rappelons-le, une course qui va valoir le double des points. Là, ça promet. Pilote du week-end, je le donne. J'aurais pu le donner à TRX Desfoucés, à Steve-O, parce qu'ils ont chacun bien performé. Je le donne à un pilote, Night Vaga, qui a terminé dans ses deux courses en deuxième position. Je le félicite. C'est une belle démonstration de constance de sa part. Donc, félicitations à lui pour le pilote du week-end. Ben, tu t'es pas le seul à le mentionner, Carl, puisque notre ami Nebaf 23T mentionne la même chose que toi sur le live, là, mentionnant Night Vaga, qui c'est incontestablement le pilote du week-end. Je l'avais demandé d'ailleurs à tes 23T, je lui ai demandé là, qui tu vois comme pilote la fin de semaine. Et des collaborateurs. On va regarder le tableau final après 7 manches de jouer dans la division IGA Famille Jodouin maintenant, Carl. Oui, ben on va surfer sur la blague de la dernière semaine. Là. Une fin de semaine en dentiste pour notre ami Steve-O. TRX Desfoucés aussi. Hein? Chacun a eu une bonne course durant le week-end. Par contre, TRX Desfoucés réussit à s'échapper légèrement. Quand je dis légèrement, c'est pas grand-chose, mais c'est une avance qu'on pourrait qualifier de semi-confortable. Hein? Oui. Un peu comme moi qui a pris la chaise à Guillaume la semaine passée, j'étais semi-confortable. Donc, en tête, TRX Desfoucés qui trône au sommet à 195 points, suivi en deuxième place par CM Steve-O à 175 points. La troisième position, notre ami T23T Nebaf à 147 points. La quatrième, TRX McFly à 131, lui qui est à égalité avec Night Vaga, les deux à 131 points. Je vous donne les deux derniers au-dessus de la barre des 100 points. Extreme Drummer à 124 points en sixième et la septième, Extreme Davidson, lui, à 115 points. Comme je le mentionnais, tous les pilotes suivants sont sous la barre des 100 points. Et ça promet pour la dernière fin de semaine de course, rappelons-le, hein, une course qui vaut le double des points. Je suis pas mal curieux, mais j'ai deux petits pilotes qui doivent être pas mal stressés. Puis même, j'en ai un troisième qui va travailler fort, notre ami T23T, parce qu'il est quand même pas si loin que ça. Ça joue d'une contre-performance, c'est une bonne performance. Un pilote peut se hisser en tête et rien n'est joué. Hein? On parle de la première et de la deuxième position. Rien n'est joué pour l'ensemble des pilotes. C'est relativement serrant des pilotes. Donc, les positions peuvent changer facilement d'ici la fin du championnat. Donc, il reste une course. Tout le monde va pratiquer très fort, j'en suis convaincu. Oui, tout à fait. Ce sera un enjeu de taille, là, puisque tu le mentionnais aussi également, Carl. Le double des points dans cette épreuve. Donc, ouais. Ça peut vraiment faire toute une différence à la fin de tout. Là. Il peut y avoir des revirements de situation. Ah oui. Vraiment là, de haut niveau. Oui, effectivement.
Donc, merci une fois de plus d'être à présence ce soir pour la couverture du compte-rendu, évidemment. Donc, on sait, hein, on l'explique à nos auditeurs. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur le live, ben, vous syntonisez bien la bonne chaîne, celle de GTCQ. On est obligé de faire une coupure au niveau du stream. On s'en excuse grandement. Donc, on va poursuivre cette édition 16 malgré tout. Donc, sous forme de deux éditions, donc on va venir jumeler conjointement. Donc, merci grandement, Carl. Je te souhaite une excellente fin de soirée et au plaisir de se retrouver le 18 mai prochain. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Voilà, donc, on va reprendre un peu le beat, messieurs. Donc, pas toujours facile de pouvoir y aller de façon consécutive, mais ce soir, là, le stream nous fait un peu le trouble fête dans celle-ci. C'est la première fois en 16 épisodes. Oui, c'est quand même une belle marque, là, Steve-O, tu fais bien de le souligner, Chill. Bon, pour poursuivre la soirée, j'ai un nom en tête qui me vient à l'esprit lorsque c'est le temps de parler de la division Innovatech, et j'ai nommé Chill Odette à signer au compte-rendu des faits saillants. Avant la soirée de course, Chill, Unican avait enlevé la chaise numéro 2 à Proben au général avec une belle prestation sur cette manche 6. Oui. La question, sera-t-il en mesure de la conserver après la manchette? Vraiment, là, ça, c'est une question qui était sous toutes les lèvres. Eh bien, bonne nouvelle à tous. Il signe la pole position dans cette première séance de qualification de la soirée avec un temps de 1:29.774, Chill. Il sort un lapin de son chapeau à Nick Derry, qui n'a d'autre choix que de se contenter de la P2 avec 55 millièmes d'écart derrière. On complète le top 5 avec Jastrand, Vulgaire Machin et Fabinos dans l'ordre respectif, Chill. Oui, puis si tu regardes l'écart entre chaque pilote aussi du top 5, on n'avait même pas un dixième entre chaque pilote. Donc, c'était une qualif qui était vraiment très, très, très serrée. Suite à cette qualification-là, ben, il faut dire que tous nos pilotes, comme à leur habitude, ont pris un départ en ligne, sans anicroche au premier virage. Ils nous ont habitués à ça depuis le début de la saison, nos pilotes de la division Innovatech. Et tout au long des deux premiers tours, même pas une seconde d'écart entre tous les pilotes. Donc, c'est un beau train de voiture, là. C'était vraiment très beau à regarder. On a vu des pilotes avec beaucoup de contrôle et beaucoup de confiance aussi en leurs adversaires. On s'est rendu en fin de saison, on connaît pas mal le pilotage de nos adversaires, donc on peut se permettre de suivre d'un peu plus près. C'est ça que les pilotes ont fait. Jas avait vraiment une très belle qualif à cette première course. C'est qualifié troisième, seulement à 65 millièmes de la pole position. Très, très, très proche. Mais là, il a commencé une petite glissade, là, rendu perdre déjà trois positions dans le premier tour, dans les deux premiers tours pour Jas. Ça augurait pas très bien pour lui à ce moment-là. Nick Derry, lui, qui a suivi Unican pendant trois tours, a fait preuve de patience. À un moment donné, Unican a fait une petite erreur, selon nous, selon ce qu'on a vu, mais j'ai su par la suite là, que vraiment, Yannick voulait lui céder le passage, prendre son aspiration et le suivre, économiser ses pneus et de l'essence, mais finalement, Nick Derry a réussi à creuser un petit peu l'écart et malheureusement, Unican a perdu l'aspiration à ce moment-là, donc Nick a pu se sauver un peu plus à l'avant. À partir de la troisième place, ben, tout le monde s'est suivi là, à moins d'une seconde, encore une fois pendant quelques tours. On a eu deux, trois séquences là, durant la soirée que les pilotes nous ont montré tout un contrôle de tout le monde, de la première à la dernière place. Nick Derry qui contrôle très bien son usure de pneus grâce à son pilotage, on l'a vu pour cette première course. Donc, très belle course pour lui jusqu'aux arrêts au puits. Royal Singh. C'est très bien parti, on l'a vu, cinquième position pendant quelques tours. Malheureusement, lui aussi a connu une petite défaillance, et comme par hasard, mais c'est arrivé après qu'on ait parlé de lui. Et ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il a commencé à glisser au classement, lui aussi, après qu'on ait parlé de lui, justement, et de sa livrée spéciale pour le commanditaire Ride It. Le résultat de cette première course, eh bien, c'est Nick Derry qui vient remporter l'épreuve avec un gros 21 points. Encore une fois, lui qui a eu le tour le plus rapide aussi pour cette course, suivi quand même de pas tellement loin là, par Extreme Unican.
qui lui vient accentuer son avance sur Proben à la deuxième place au classement général. Et Fabinos qui renoue avec le podium, lui, qui ça va lui remonter le moral avant les dernières épreuves de la saison, avec un beau podium en quatrième place. Extrême Vulgaire Machin, le grand sacrifié de la semaine précédente, ben lui, juste au pied du podium, mais cette fois-ci, il n'a pas cédé sa place. C'est vraiment Fabinos qui a été un peu plus rapide que lui. Et Proben, encore une belle remontée, termine cinquième, mais devra vraiment avoir une meilleure qualif au Nordschleife s'il veut espérer rejoindre une équienne à la deuxième place du classement. Une belle course pour Momoneur. Malheureusement pour Jazz, par contre, avait pris une magnifique qualif, a glissé pas mal au classement. Ça a été un peu difficile pour lui en fin d'épreuve, malheureusement. Donc, Jazz devra se reprendre à la deuxième course. Et j'ai comme l'impression qu'il a parti la qualif, le couteau entre les dents, justement, pour cette deuxième course. On sait que Jasmin, comme nous tous à la GTCQ TV, on manque un peu de temps de pratique là, pour nos courses du vendredi. Et c'est peut-être ça qui est arrivé avec Jasmin. De bonnes qualifs, un peu moins constant en course. Jasmin, je ne sais pas si tu m'entends. J'imagine que c'est ça qui est arrivé là, de ton côté. Écoute, oui, effectivement, Chill, hein, puis un petit peu de manque de temps, oui, c'est comme tu l'as dit. Puis la compétition est relevée en division 2. Oui. J'ai atteint là, cette division 2 en parcours de saison. Ouais, c'est compliqué, mais on a tellement de plaisir. Exactement. Course numéro 2, deuxième programme de la soirée. Cette fois-ci, Nick Derry enregistre le meilleur chrono dans ce super tour avec 1:30.641. Une canne pour sa part partira à ses côtés juste derrière. On complète le top 5 avec Rookie 555, Jastram encore une fois dans le top 5. Oui. Et Fabinos qui a démontré qu'il avait encore sa place dans la division Innovatecture. Non, exactement, Fabinos qui nous a démontré, comme tu dis, là, avec une belle cinquième place en qualif avec le tour, le hot lap, comme on disait tantôt. Par contre, cette fois-ci, les écarts entre les pilotes étaient beaucoup plus gros. Là. On parle un quart, une demi-seconde, même une seconde entre chaque pilote. On sait que le tour rapide comme ça, ben, si on manque notre coup, là, on se retrouve à l'arrière et c'est pas trop long. Encore une fois, ben, tout un départ de nos pilotes, hein, passé à deux de large, le peloton au complet dans les S de Senna. Donc on était deux par deux, sept couples comme ça là, qui ont pour ça. On aurait dit que les pilotes se tenaient par la main là, dans les S de Senna. C'est assez spectaculaire. Rarement vu ça, d'ailleurs, à cet endroit. Nick Derry répète sa stratégie encore. Deuxième tour, ben, laisse passer Unikian pour le suivre. Mais cette fois-ci, Unikian a réussi à rester accroché à son aspiration, ce qui va lui porter fruit un peu plus tard à notre ami Yannick. Yann a compris son stratagème là, à Nick Derry, puis ça n'est pas laissé imposer et rester tout juste derrière lui. Jazz, encore une fois, recommence un peu à glisser derrière. Pour la dernière course, va devoir vraiment travailler la constance. Mon Jasmin, vraiment, des qualifs extraordinaires, mais il faut rester un peu plus concentré. C'est peut-être la fatigue aussi, un manque de concentration. Très mauvais premier tour pour qui 555 aussi, lui qui s'était très bien qualifié là, avec une belle troisième place en qualification, a glissé de trois places dans le premier tour, se ramasse sixième après un tour, aurait sûrement espéré un meilleur dénouement de ce début de course. Aucun peloton, par contre, s'est développé là, durant ces premiers tours, c'est resté serré tout au long là, de 3-4 premiers tours. Avec une belle filée de voitures, encore une fois, dans la soirée. C'était la deuxième ou troisième fois qu'on voyait ça. C'est très spectaculaire quand on a une vue de face, qu'on voit la traînée complète de voitures ou la trolley de voitures, comme tu as dit dans le live, Marco, j'ai bien aimé cette expression. On a vu un unique Yann un peu différent, hein, Marco. On l'a vu patient, plus constant. Patient. Oui. Et oui, il suit, attendre l'erreur, lui qui habituellement essayait de provoquer ses adversaires, mais cette fois-ci, il restait bien sagement derrière Nick Derry, a attendu les erreurs, et ça va porter fruit. Là. À sortie des puits, je croyais bien que MT-626 était pour avoir la mesure là, de Nick Derry et passer devant, mais non, Nick Derry a réussi à sortir tout juste devant MT-626 pour garder la deuxième place. Coup de théâtre au deuxième tour, Marco. Ton ordinateur qui décide de faire une mise à jour. On a perdu 6 tours dans la course. Je croyais pas que t'allais en parler, tu sais. On pouvait pas passer à côté. Ah, tout à fait, tout à fait.
Ça fait partie des embûches qui sont sur notre chemin. Oui, exactement. On est venu, par contre, à temps pour la fin. On est venu pour le 18e tour, donc on a pu voir les bagarres pour la fin, dont un très beau dépassement de MT-626 sur Nick Dury pour prendre la deuxième place. Unikian devant, lui, a profité de ses luttes derrière lui pour se sauver un peu plus loin à l'avant. Et même Fabinos, qui a attaqué son coéquipier Nick Dury avant la fin de la course, mais a attaqué est un bien grand mot. Il a sûrement pas trop forcé la note pour laisser la troisième place à Nick Dury et ainsi augmenter encore son avance en tête du championnat. Donc les résultats de cette deuxième course, Unikian, qui était très heureux de cette victoire en entrevue d'après-course, ça augmente encore son avance en deuxième place au classement général sur Proben. En deuxième place, MT-626 qui revient sur le podium. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et ça va lui faire le plus grand bien. Nick Dury, seulement troisième. On dit seulement dans son cas. Oui. Tellement habitué de le voir gagner des courses. Et quatrième pour Fabinos. Il n'a pas attaqué son coéquipier comme il disait en fin de course. Mais un beau top 5 pour Fabinos quand même. Encore merci Fabinos pour ta pénalité. Et Rookie 555 qui vient faire un beau top 5 à sa deuxième course en division, lui qui était en remplacement de M. Troyu. Les pilotes nous ont vraiment démontré là, tout un talent de pilotage dans ces deux courses-là. Ils se sont suivis là, tous. Moi, je donne un prix orange à l'ensemble des pilotes pour la patience qu'ils ont montrée et la discipline surtout. Mon prix limite, eh bien, j'en ai deux. Malgré deux très belles qualifs pour notre ami Jazz qui est glissé au classement. Donc peut-être un petit prix limite à Jazz, ça va le fouetter, comme disait Carl tantôt. Il va peut-être se pratiquer un peu plus là, pour la dernière course de la saison, pour aller chercher un podium. Qui sait, ça serait très, très intéressant de recevoir une entrevue de notre course. Et Montréal Racing aussi, lui qui avait eu un très bon début de soirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. J'en ai pas reparlé avec lui, mais il a eu beaucoup de difficultés tout au long du reste de la soirée. Et dommage pour Montréal Racing, Nicolas, qui avait une très belle voiture, hein, une couleur de Vibit. Un très bon départ. Il devrait se reprendre pour March Life, même si mon petit doigt ici me dit qu'il ne sera pas là. C'est vraiment pas sa piste de prédilection. Et prix orange pour cette deuxième course. Et comme j'ai donné à l'ensemble des pilotes, bien Proben aussi, deux très belles remontées. Il n'y a pas eu de podium, mais de très, très belles remontées pour les deux courses. Et mon pilote du jour, Unikian, qui nous a montré une nouvelle facette de son pilotage en étant très patient et très constant tout au long de la soirée. Il va chercher vraiment une belle deuxième place et une belle victoire. Il va remonter un petit peu plus près de Nick Dury. Ça va être presque impossible à aller chercher. Une belle progression aussi également pour le pilote. On a eu l'occasion de le voir en entrevue. Le souci du détail, hein, c'est des choses, des éléments que j'ai remarqués lors de l'entrevue. Donc, il est très soucieux de pouvoir améliorer certains petits aspects de son jeu. Et on l'a vu très bien, hein, Chill. Si on compare le début de la saison à aujourd'hui, vraiment, on évite beaucoup, beaucoup d'erreurs du côté du pilote. Ah oui, beaucoup moins impulsif, comme je disais tantôt, plus patient. Au lieu de faire les erreurs, il attend les erreurs des autres, c'est payant. Tout à fait, on va regarder le tableau du classement de la division Innovatech après 7 manches de jouer au championnat GTCQ. Oui, bien, c'est Nick Dury qui trône au sommet. Hein. Il y a 100 points d'avance là, présentement sur Unikian avec 287 points. Unikian, 187 points, du deuxième. Proben suit à 169. Sigrou à 138, lui est en lutte avec Fabinos pour la troisième place. Lui qui est à 135. MT-626 à 126 points. Emma Bastien, 125. Éric Laro, 124. M. Troyu, 122. Donc, on a un peloton ici qui est très, très serré pour la cinquième place. Et par la suite, ben, Vigueur Machin à 94. The H-Man à 74. Montréal Racing à 68. 67 pour Oncle Bou. Jazz en a 65. Guillaume est toujours là et Mitch 71 aussi, 15e et 16e. Bon, les choses se corsent, Chill, pour la finale du championnat. Un circuit avec un niveau de difficulté élevé, hein, il faut dire de cette façon. Des pilotes serrés au général, des points compte double aussi pour le cumulatif. Ma question, de quelle façon, Chill, on devra surmonter nos torpeurs pour le groupe d'Innovatech? Ben, il va falloir rester prudent. Disons que le circuit du March Life, oui, c'est bon d'être rapide,
Mais il faut être capable de rester en piste. Hein. C'est le secret. Si on reste en piste, mais on est un petit peu moins rapide, on va avoir du succès. Donc, l'important, c'est de rester en piste, puis en espérant que nos pilotes la fassent dans deux semaines. Bravo, Chill, encore une fois. Puis cette fois-ci, je t'ai écouté. Hein, n'en tiens pas rigueur à ce niveau. Donc, très beau travail une fois de plus pour cette 16e édition, mon cher ami Chill, pour la division Innovatech du championnat GTCQ. Maintenant, un autre programme était du rendez-vous ce samedi 20h, où nous avions le privilège d'être aux premières loges de la diffusion de l'Académie pour nos amis Jasmin Collard et David Collin, hein, qui s'est joint à celui qui a présenté l'ensemble des programmes de l'Académie cette saison, en parallèle au championnat. Bonne soirée, Jasmin. Merci d'être à l'Express. Merci beaucoup pour nous accueillir. La semaine, nos académiciens se retrouvaient pour leur part sur le circuit de la Nordschleife en N400 avec la Toyota SF Concept ZRT GFA, je sais pas si ça dit quelque chose. Sting la pole position, Sting shot juste derrière à la P2. C'est très bien illustré, il faut le mentionner. On complète le top 5 avec X-Track, Milka, T-Rex, Nightfly, Jazz, l'enfer vert, hein, qui a démontré qu'il ne pardonne pas à qui veut le surestimer dans certaines portions du... Ah, écoute, un circuit atypique, un circuit mythique, un circuit, bref, compliqué. Au-delà de 77 tours, des montées, des descentes, comme tu l'as mentionné, des secteurs rapides, des secteurs serrés, sinueux. C'est très serré, c'est pas large. Hein? Donc, moi et David, on s'attendait à une course où est-ce que nos pilotes allaient se distancer à travers ce long parcours. Mais on a été agréablement surpris dans l'ensemble des quatre tours de chacune des courses. Déjà, juste en qualification, on pouvait ressentir ce resserrement-là. Un petit peu un bouleversement, Milka en troisième place, JFA en première. Bref, les temps autour étaient quand même assez semblables. Donc, ça nous a amené une première course vraiment, vraiment, vraiment diablée. Et comme Chill le mentionnait, ben, malheureusement, oui, il y en a eu des sorties de piste. Ben, ça nous a donné quand même un certain spectacle. À un certain moment donné, des resserrements aussi. Donc, un départ sans faute pour l'ensemble de nos pilotes. Vraiment, là, très beau départ. Début de la course, donc, JFA, qui malheureusement parlait de faute, part en dérapage, se retrouve en cinquième place, qui rouvre la porte à TRX Slingshot, qui prend les comptes. McFly, à la fin du deuxième tour, du premier tour lui de son côté, s'empare de cette deuxième place qui vient avant l'arrêt au plus, s'emparer de la première place pour lui. Suite aux arrêts au plus, Milka, hein, division 1, donc si vous voulez voir un petit peu là, les stratégies, l'économie d'essence, messieurs, pour Milka du moins, là, ça avait très bien fonctionné, face à un JFA qui était en plein contrôle cette soirée-là. Donc, Milka ressort en première place, ne regarde plus jamais derrière, se forge une avance et vient remporter cette première épreuve. Je te dirais la deuxième moitié de la première épreuve, ça a été plus tranquille. Il y a eu des sorties de piste, il y a eu des beaux dépassements, mais d'une certaine façon, ça a été un petit peu plus homogène. Une fin de course un petit peu musclée pour certains, mais en général, ça s'est très bien passé. Donc, pour les résultats finaux, donc on va se concentrer sur nos académiciens là, dans ce cas-ci. Donc, le premier de nos académiciens, ZRT JFA. Deuxième, TGTCQ X-Tracks. De la Custom Martyrs en troisième place, Diabolic Apple. Quatrième, qui est venu croiser de nos académiciens, Extreme Very Crisp. Je finais par être capable de le dire, Very Crisp. ZRT Coradomat qui le suivait, TGTCQ. ZD01 Bolide et en dernière place, Loki 555 de l'équipe ZLRT. Course numéro 2, cette fois-ci, Milka signe le meilleur temps, juste devant ZRT JFA, qui encore une fois hein, montre tout son potentiel sur le Nürburgring en s'insérant à la P2. On complète l'équation du top 5 avec Slingshot, TRX McFly et Corrado Matt Jazz. Un départ lancé qui permet un certain espace hein, pour s'élancer sur le circuit. Mais dès les premiers virages, hein, on constate très bien, certains pilotes semblent vouloir améliorer leur sort. Ah oui, puis écoute,
un super tour. Mais en bout de ligne, on a deux fois des super tours hein, sur cette qualification-là. Donc, je fais à noter, là, préparez-vous. C'est une particularité là, sur la dernière manche de cette saison. Oui, on se resserre très rapidement parce que dans un super tour comme ça, il y en a qui vont se rater, il y en a qui vont avoir des gros temps pour leur qualification. Mais oui, très beau départ. Jusqu'au deuxième tour, là, notre top 5 reste tel quel jusqu'au deuxième tour. Ben, JF1 vient prendre les devants sur Milka. TGT CQ ZD01 Bolide, qui lui aussi au deuxième tour sort de piste avec une pression constante depuis plusieurs virages là, qu'il subissait par certains de nos pilotes de division. Il l'a amené à une très très belle bagarre là, contre son coéquipier de la TGT CQ, X-Trax. Écoute, l'enfer vert là, en a fait voir de toutes les couleurs à nos pilotes. On a eu malheureusement plusieurs sorties de piste, mais Milka, encore une fois, après les arrêts au plus, ressort en première place devant JFE. T23T, Filippo Cala, nous prouve qu'il est possible de faire trois tours sur le Nordschleife. Et même, il a pris une position dans cette stratégie. Allez voir la reprise, vous allez pouvoir constater tout ça, voir un petit peu comment est-ce qu'il a réussi à pouvoir faire ça. Deuxième moitié là, du quatrième tour, vraiment, belle bagarre avec JFA qui est en mesure de revenir sur Milka. Et lui, de son côté, là, Milka, on l'a raté sur le live, malheureusement. On n'a pas été en mesure de pouvoir revoir la reprise. Une perte de maîtrise dans son cas. Grosse perte de position pour lui. JFA qui reprend les devants dans ce cas-ci. Et on offre la victoire à JFA. Le 77, ZD01 Bolide, grosse bagarre. Donc, franchement, pour une dernière course de la saison 2021, nos académiciens, vraiment, ainsi que nos pilotes de division, très, très belle course. Donc, résultat final, encore une fois, on y va pour nos académiciens. Zalarté JFA, qui se positionne en première place de la course et en première place de nos académiciens. ZRT Corralomat qui le suit, GTCQ ZD01 Bolide, suivi par son coéquipier de la TGTCQ X-Trax, Custom Motors Diabolic Apple, Extreme Very Crisp, et pour fermer la marche, ZRT Rookie 555 qui vient compléter le tableau Marco. Est-ce que tu as été capable d'identifier un pilote là, qui serait dit pilote de la manche? Non. Pour être franc, ils sont tous oui, bons. Oui, évidemment. Mais par contre, pour cette dernière, OK, un petit peu de nostalgie, bon, on va se revoir cet été. Mais pour cette dernière, là, dans son ensemble, OK, l'Académie au complet. OK, bon, oui, on a JFA, on a des belles bagarres qui se sont présentées en course. Mais franchement, je tiens à vous remercier, messieurs. Vous avez été présents à chacune des épreuves. C'était un plaisir de vous diffuser là, pour cette saison. On va avoir l'entre-saison. J'ai déjà hâte. David, avec moi pour cette dernière. Franchement, une belle découverte. Beaucoup de plaisir. Belle discussion. Donc, dans son ensemble, là, Marco, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des pilotes pour cette belle saison qu'ils ont faite. Ouais, justement, hein, on le sait, on a complété de façon magistrale l'ensemble des événements attribués au groupe de l'Académie de ton côté. On peut évidemment dire, Jas, que de façon convaincante, que plusieurs pilotes ont passé par l'Académie et ont progressé de façon exponentielle, hein, il faut le mentionner. Plusieurs pilotes se sont retrouvés dans des divisions. Ceci étant dit, Jas, on constate que cette Académie est bien implantée et est là pour rester aussi également. Puisque l'effet respect des autres et l'apprentissage graduel des règles hein, est le cheval de bataille primordial de la GTC. Pour être fin prêt à rejoindre les rangs du championnat par la suite. Quelle constante de ton côté en as-tu fait? Ben, c'est que c'est excessivement apprécié par mes pilotes dans son ensemble. OK, premièrement, c'est le feeling que j'ai. Les académiciens reviennent. On n'a pas perdu beaucoup. Au contraire, on s'est amené là, jusqu'à la dernière là, à deux salons complets. Donc, moi, le constat que j'en fais, c'est que franchement, dans un fair play sur toute la ligne,
nos académiciens ont progressé, comme tu l'as dit, d'une façon juste incroyable. Un rookie 555, ça a un petit peu moins bien été, mais ils ont montré en division 2, là, deux top 5 là, dans les deux dernières manches. Donc, juste là, Extreme Clodo, on n'en parle pas beaucoup, mais il a commencé aussi la saison. TRX McFly dans division 3. Donc, on a, c'est des exemples concrets qui amènent nos académiciens à vers les divisions, même durant le championnat. Et écoute, que de spectacles qu'ils nous ont offert durant toute la saison. Donc, franchement, là, bravo à nos académiciens, à la GTCQ. Franchement, c'est une réussite dans son ensemble. Merci beaucoup de ta présence, Jasmin, à l'Express. Écoute, ça a été un immense plaisir de travailler avec toi sur les comptes rendus de l'Académie dans cette saison 2020-2021. Encore une fois, excellent boulot de ta part. On va assurément te revoir en période estivale sur certaines diffusions. Mais n'hésite pas à venir nous voir à l'Express à l'occasion, mon ami. Je suis persuadé que plusieurs de nos auditeurs ont apprécié ton travail ici à l'Express dans cette saison. Merci beaucoup, c'était une expérience incroyable. Et oui, je retiens l'invitation, je vais venir vous déranger certainement. Ben merci beaucoup, bonne fin de soirée. À la prochaine, Jas. Merci, toi aussi, Valère. Voilà, messieurs, c'est ce qui complète un peu, d'une certaine façon, le portrait des diffusions du week-end. Un peu élaboré, on comprendra avec la situation de cette coupure de stream, mais... En tout cas, on a livré la marchandise encore une fois. C'est la chose la plus importante. Pour la suite de l'Express, nous vous proposons ce soir dans notre portion entrevue, messieurs, un entretien que tu as fait, Chill, avec le pilote leader au championnat de la Division 5 et qui risque de se tailler une place de choix dans une division plus élevée en septembre prochain, Chill. Oui, peut-être, on verra, mais... J'ai décidé cette semaine de prendre un pilote de la Division 5 parce que, étant donné qu'on est en rediffusion, on n'a jamais de pilote qui est en entrevue. Donc, on va essayer de présenter un pilote qui performe vraiment bien, comme tu disais, Steve Grinder, alias Benoît Boutillette. Lui qui domine vraiment en Division 5, comme tu as dit. Je serais vraiment pas surpris de voir monter de division de la saison prochaine, même s'il va, comme il va le dire dans l'entrevue. Il adore la Division 5, il adore notre petit groupe, le plaisir qu'on a avant et entre les courses. Aujourd'hui, en entrevue, on a un pilote de la Division 5. On ne parle pas souvent des pilotes de la Division 5, étant donné qu'on est en rediffusion. Donc, il n'y a pas vraiment d'entrevue d'après-course. Alors, j'ai pensé inviter le meneur au championnat présentement, Sid Grinder, alias Benoît Boutillette. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue ce matin. Merci, Chill. Ça me fait plaisir. Benoît, on va commencer par le début. Disons que tu es venu au monde à un moment donné, et puis à un moment donné, tu t'es mis à aimer les jeux vidéo. Tu as commencé à faire du sim racing. Comment ça a commencé pour toi, le sim racing? Je te dirais, Chill, ça a commencé quand même assez de bonne heure dans le temps qu'il y avait des arcades. On avait commencé pas mal à aimer les courses automobiles à ce moment-là avec les cockpits, là, si on peut dire. Avait Daytona USA, tu avais Sega Rally à l'époque, Ridge Racer. On a eu Test Drive, c'était pas Unlimited à l'époque, mais Test Drive, Monaco GP. À ce moment-là, on a pogné la piqûre, puis je te dirais qu'après la sortie des consoles de jeux, c'était rendu accessible de pouvoir jouer de la maison. C'est sûr qu'on n'avait pas le en ligne à l'époque, mais on pouvait quand même jouer à deux avec le split screen qu'on appelait à l'époque. Puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Tu as commencé Gran Turismo à partir de quel Gran Turismo? J'ai fait Gran Turismo 2 sur la PlayStation 1. J'ai vraiment trippé là, côté l'aspect simulation comparé à... Puis je ne veux rien enlever non plus à Need for Speed, là, qui est un autre type de jeu un peu plus arcade, mais quand même plaisant. Là. Moins demandant, si on peut dire. Après ça, j'ai tombé sur Xbox, par contre. J'ai fait Project Gotham et d'autres types de simulateurs, mais c'était pas moins bon, c'était pas pareil. C'était différent. Mais ensuite de ça, je suis retombé avec une PlayStation 3. J'ai continué Gran Turismo 5. Ensuite de ça, le 6. Jusqu'à temps que le service en ligne se coupe. Et évidemment, on n'a pas eu le choix comme de tomber sur GT Sport là, sur la PlayStation 4 à ce moment-là. Puis,
suite à tes débuts à PlayStation 4 et Gran Turismo Sport, là, tu as découvert la GTCQ. Comment tu as trouvé ça, la GTCQ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené? Ou... Oui, non. C'est un peu arrivé. J'avais vu des vidéos sur YouTube de la GTCQ, mais dans tes sélections de vidéos que tu fais, tu vas avoir une proposition là, qui va apparaître sur un choix personnel, si on peut dire. Puis j'avais vu la GTCQ à cette époque-là, mais c'était avant le confinement un peu. Mm-hmm. Puis je savais pas comment que ça fonctionnait. T'sais, fallait-tu s'inscrire, c'était-tu comme iRacing, fallait-tu payer, y'avait-tu... Mais quand le confinement est arrivé, puis j'ai vu l'invitation sur Facebook ouverte au grand public, c'était la 86 chez les Brits. Ouais, ben, à ce moment-là, je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais, je vais voir les vraies courses en ligne versus qu'est-ce qu'on faisait du daily race, là, tu sais, là. Ouais, c'est pas pareil du tout, là. Non, pas du tout. Le calibre était au-dessus de mes attentes, honnêtement, là. Je m'attendais pas d'avoir une qualité de pilotage de ce niveau-là pour du monde qui était... On se fait des idées, hein, des fois, avant de vivre l'expérience, puis une fois qu'on l'a vécu... T'es accro, tu peux plus débarquer. Tu as commencé à l'académie, je pense. Hein? Tu as fait une saison à l'académie. Exactement. Tu étais dans une cuvée quand même qui a sorti beaucoup de pilotes là, qui sont dans le championnat présentement. Oui, je te dirais. C'était pas rare dans ce moment-là qu'on avait trois salons d'académiciens à l'époque à toutes les deux semaines. Je te dirais que c'était quand même irrégulier. Là. Fait que ça a fait une grosse vague de courseurs en même temps. Ce que ça a permis aussi, c'est que ça a permis de diviser les divisions, justement, de façon plus équitable, parce qu'en académie, on avait souvent les mêmes groupes à l'avant, et ensuite, ben, tu sais, c'est ça, on avait un petit groupe dans le milieu, puis un petit groupe à l'arrière. On se reconnaissait souvent ensemble, là, tu sais. Oui, puis suite à ça, ben, t'as commencé, là, c'est ta deuxième saison présentement, je pense. Oui, exactement. T'as commencé la saison d'automne, l'automne passé. Oui. T'as eu une saison... En montée tout le long, hein, on l'a vu. La petite visite. ma meilleure supporteuse. Ben oui. Tu as eu une saison en montée tout le long. Puis encore aujourd'hui, en montée encore. Tu dois pratiquer quand même assez relativement beaucoup là, pour performer de cette façon-là. C'est le secret, c'est comme tu l'as dit toi-même dans l'Express, c'est la pratique. Puis essayer d'avoir une constance. Ça, c'est le côté que je suis moins à l'aise. C'est la constance. La pratique, ça vient, mais la constance, c'est de tomber comme un chronomètre, un métronome, je devrais dire. C'est vraiment plus... c'est plus pointu que juste de la pratique. Mais tu as eu quand même, jusqu'à maintenant, là, une saison, à part là, peut-être le dernier Grand Prix, la dernière course sur la piste d'Interlagos. Là. Même, faut que je te dise, j'ai appelé à Sao Paulo. Puis, ils vont changer le nom du virage 4 pour le Steel Grinder Corner. je suis même pas surpris. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment dans cette courbe-là que tu n'étais pas capable? Un tour sur deux, presque, tu sortais trop large. Oui, là. Oui. Ça s'appelle la folie, je pense, de répéter tout le temps la même erreur en pensant un dénouement différent. Ben, je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Je pense un petit instant de folie. Puis non, réellement, c'est que j'essayais de trop pousser. J'essayais de trop prendre un élan, puis cet élan, à cet endroit-là, l'élan ne pardonne pas. Là. C'est l'élan, il faut que tu le fasses après, mais souvent sous la pression de la course, puis c'était une course qui était vraiment, vraiment enlevante. Là. Je vais le dire, dans toute la saison, je pense que c'est une des courses que moi, j'ai eu le plus de battements à minute, je te dirais. J'ai trouvé ça très, très difficile. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de courbes. Pas beaucoup de place à l'erreur, puis malheureusement, ben j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire. la prochaine va être encore pire de ce côté-là. Oui, hein? Nürburgring, comment t'entrevois ça? On a fait hier, ben là, on est dimanche matin là, pour tout le monde. Oui. On a fait hier l'académie. Comment t'as trouvé ça en peloton comme ça? C'est bon de pratiquer seul, mais en peloton, c'est pas pareil. Ben, j'ai appris à peut-être voir les mauvais côtés de la voiture, là, si on peut dire, comparé à faire du lap time, là, qui est vraiment quand tu es seul, là, puis tu contrôles vraiment ton environnement. Pousser, mettre de la pression sur le véhicule ne réagit vraiment pas de la même façon, si on peut dire. Les erreurs arrivent beaucoup plus vite.
Puis la voiture, elle n'a pas beaucoup de torque, donc c'est dur de reprendre le momentum si tu fais une erreur et tu as ralenti. Donc, perdre le pack, ça se fait très rapidement. Ouais. Et de rester sur le bitume, c'est vrai que c'est beaucoup plus payant que de ramener ça que dans le gazon. Pas mal, oui. Là, il reste deux courses à la fin de la saison. On sait qu'il faut reprendre Suzuka. D'ici la fin de la saison, tu as quand même une avance relativement confortable. On sait que la prochaine course, les points comptent en double. Comment tu penses réussir à garder le momentum, justement, puis la tête du championnat? En essayant d'avoir une bonne constance. Ou, comme certains me disent, d'avoir un plan de match. Oui, ça prend un bon plan de match. Ça prend un bon plan de match. Puis Suzuka, la dernière course, est-ce que ça fait partie de tes circuits préférés, Suzuka? Oui, j'aime beaucoup Suzuka. Au début, je la trouvais complexe. Ben, je vais t'avouer qu'honnêtement, tous les circuits qu'on a coursés dessus, au début, on est un peu intimidé. Une fois qu'on connaît la ligne, ça devient un autre circuit dans ta tête. Ça devient souvent les circuits qu'on n'aime pas, on finit par les aimer. On finit par être plus à l'aise dessus. Aussi de connaître le véhicule avec lequel qu'on course aide énormément. Mais prendre confiance en un circuit te fait l'apprécier. Te fait voir ces petits côtés cachés que quand tu fais juste jouer, j'aime pas ça dire jouer, mais quand on fait juste tourner pour le plaisir, que tu remarques pas nécessairement que cette épingle-là est conçue pour arriver d'une telle façon. Quand tu l'as étudié plusieurs tours, plusieurs semaines, tu viens qu'à remarquer l'élan que tu peux te donner pour mieux rentrer dans certains coins. Là. Oui. Puis, côté saison prochaine, si jamais on te demande de monter de division, comment tu prendrais ça? Est-ce que tu accepterais? Tu voudrais rester avec la gang? C'est pas moi qui va prendre la décision, évidemment. C'est sûr que perdre la gang me ferait de quoi, parce que j'aime beaucoup, beaucoup notre groupe de division 5. On a un petit côté chaleureux, on a un petit côté salon... Chummy, si on peut dire, avec les chats avant les courses et pendant et après. Que de perdre ça, ça me ferait de la peine, mais écoute, c'est toujours face au challenge. Hein. Si je suis dû monter division, c'est probablement parce qu'il y en a d'autres qui veulent finir premier dans une division 5 aussi l'année prochaine. malgré que tout peut arriver. Hein, oui. On sait déjà qu'il va y avoir une sixième division. On ne sait pas si ça va être en haut ou en bas. Là, on verra. Exact. Ben, merci beaucoup, Benoît, d'avoir accepté l'invitation. Puis ça va permettre un peu aux gens de te connaître un peu mieux. Puis de connaître un peu mieux la division 5 aussi. Ben, merci beaucoup, Chill. C'est mon plaisir. Puis encore félicitations à vous tous de la GTCQ pour votre travail. C'est très beau. C'est vraiment le fun d'en faire partie. J'en suis fier. Ben, merci beaucoup. Puis on se revoit sur la piste. Excellent, Chill. Merci, salut. Au revoir. Aujourd'hui, en entrevue... Ben voilà, vous l'avez vu, entrevue avec Benoît Boutillette, alias Steel Grinder, Chill. Encore une fois, hein, un chic type et... Vraiment, on apprend à connaître nos pilotes au niveau de la division et quel pilote et quelle performance aussi en division 5 cette saison? Toute la saison, il était en avant. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment à Interlagos. Là. Le virage 4, là, c'était vraiment pas pour lui, pauvre Benoît. Je pense qu'il y a eu 7 ou 8 punitions dans la soirée, plus toutes les fois qu'il a perdu une position parce qu'il sortait trop large dans ce virage-là. Alors, vraiment, là, pas chanceux pour ça. Mais toute une saison pour Benoît, puis il mérite son championnat, même s'il reste une course, si je parie un petit 2, ça serait sur lui. Ben bravo, encore une excellente entrevue. On aura l'occasion d'en avoir encore une autre la semaine prochaine. Donc on aime ça, hein, un peu mettre les pilotes en avant-plan. La division 5, comme tu soulignais, Chill, un peu moins présente. Hein, on l'avait moins un petit peu affiché à l'Express. Et vraiment, on en était rendu là, je crois. Ben, c'est toujours plaisant. Là. Les pilotes aiment ça aussi, se faire connaître un peu plus. Disons qu'avec les rediffusions, oui, c'est bien, on a la chance de se voir, mais puis que les gens les voient un peu. Mais des entendre aussi, là, c'est toujours bienvenu là, de la part des pilotes. Tout à fait. Donc, bravo encore une fois pour cette excellente entrevue. Et bravo aussi également aux pilotes d'avoir donné cette participation à l'Express aussi également. Avant d'aller à la pause, on sait qu'un événement prochain est grandement attendu.
pour les fanatiques et les adeptes de démolition et de sensations fortes, hein, il faut dire de cette façon. Vous avez eu l'occasion de le voir passer sur la plateforme Facebook, l'ultime Derby ZRT. Guillaume, qui risque de faire des étincelles, hein? Pascal Loyer-Durand, t'avais mandaté pour la conception d'un vidéo promotionnel. Oui, ben j'ai préparé ça hier là, dans le but de promouvoir un peu l'événement. On sait, ça s'en vient à grands pas, le Derby. Donc, petite vidéo promotionnelle à cet effet. Puis, vous allez voir les meilleurs moments un petit peu des courses précédentes, dont celle qu'on faisait partie principalement, là, l'équipe des diffuseurs. Puis là-dessus, on a la chance de t'avoir aussi en participation. Donc, c'est une vidéo, on va dire à plusieurs, qui met la table un peu là, pour le 15 mai prochain. On va aller écouter ça. L'ultime Derby ZRT. Samedi, le 15 mai à 20h. Présentation par Innovatec Finition de béton et débosselage direct sans peinture. Venez encourager vos pilotes Chid Odette, Super Snake, Frogman, Slingshot, Quebecker, Vinegar Choice, Corrado Matt, CM Montréal Racing, Nick DeRay, Apex Path, Demon Keeper, Stewie, Zalex et La Loutre! Jasmin Collard alias Jastrand et David Collin alias La Pinotte qui seront à la barre de l'animation dès 20h. Diffusé sur GTCQ TV 2. Qui en sortira avec les grands honneurs? Plusieurs prix à gagner pour vous, auditeurs de la soirée sur le live. L'ultime Derby ZRP, c'est un rendez-vous! Et voilà, donc ça donne le goût d'y participer, ça donne le goût de le regarder. Vraiment un excellent travail en termes de visualisation, Guillaume. Très beau travail de multimédia. Eh bien, merci à toi, Marco, puis merci à toi d'avoir participé à tout ça. Mais sinon, c'est ça, ça met la table vraiment là, pour ce 15 mai prochain, qui, soit dit en passant, n'est pas un événement seulement pour les pilotes. Hein. On en fait mention, là, des prix à gagner pour les auditeurs. Donc, ça vaut la peine. Soyez à l'antenne de GTCQ TV2, vous allez avoir des prix. On aura l'occasion aussi également de le recevoir à l'Express juste la semaine avant l'événement. Donc, on aura la chance de l'avoir avec nous, Pascal Loyer-Durand, qui viendra un petit peu afficher un peu les paramètres, même si on les connaît nécessairement, mais il viendra un petit peu remettre la table à tout ça. Et on aura l'occasion probablement aussi d'avoir les diffuseurs, dont la trempe de Jasmin Collard et aussi également David Collin, qui se greffent à ce dernier pour les diffusions sur la chaîne GTCQ TV. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance, chers auditeurs. Donc, n'hésitez pas à venir y participer en termes de d'auditeurs sur la chaîne. Donc, Pascal Loyer-Durand, là, qui s'est impliqué littéralement dans cet événement. Voilà, on va s'arrêter quelques instants, messieurs, et au retour, nous aurons le sans filtre à l'air avec Chill Odette. On vous parle de NASCAR NCQ et des diffusions aussi également du week-end. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour compléter la programmation finale de la soirée de l'Express GTCQ. Merci à MC Project, partenaire majeur au développement de la GTCQ. Que ce soit pour du graphisme, produits personnalisés, t-shirts, vinyles, cartes d'affaires, vos projets sont les nôtres. Voilà le mandat que s'est donné l'équipe de MC Project. Dans tous leurs travaux qu'ils réalisent pour vous, ils obtiennent les succès qui correspondent à vos besoins selon vos critères. Travail de précision et d'efficacité avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Consultez les pros. Situé à Richelieu, 581-309-7289 à commercial MC Project 2020 sur Facebook. Salut tout le monde, ici TRX Super Snake, Division 3 Famille IGA Jodoin. Ne manquez pas la capsule de chill ce soir, sans filtre air, ça va barder!
à toi dessus. Bon. Là, je pense qu'aujourd'hui, je me ferai pas beaucoup d'amis dans la tranche jeunesse de la GTCQ. Quand je dis tranche jeunesse, là, c'est 35 ans et moins. En haut de 35 ans, il y en a peut-être qui le font aussi. Je vous avertis tout de suite, ça parle pas de Gran Turismo. Ça parle de ça ici. Là. Vous voyez ça ici, là, ça c'est un hoodie. C'est un coton ouaté, un kangourou, il y a plusieurs noms de dire ça, avec un capuchon là. Un capuchon, c'est bien confortable, c'est pratique. C'est froid le matin, on le met ça à la tête. À l'extérieur, c'est parfait. En auto, non, mettez pas ça en auto. C'est dangereux. On coupe le champ de vision. On coupe les angles morts. En plus d'être illégal de mettre ça en auto parce que justement, ça coupe le champ de vision. C'est la même chose pour un sapin qui peint au bout du miroir, un petit sapin qui pue. C'est illégal de mettre ça aussi. Messieurs, les plus jeunes, peut-être les plus vieux le font, j'espère que non. Je me lève tôt le matin, j'en vois dans sa route là, avec le capuchon par-dessus la tête. Il n'y a personne qui l'attache comme la famille Slow-Mo. Là, on verrait très bien. Là. Mais le capuchon d'un hoodie, ça va sur les épaules et non sur la tête en voiture. J'espère que vous avez bien compris. Puis ça, ben, c'est sans filtre à l'air. Voilà, donc un médecin, un infirmier, un kit de pression, les sondes, mesdames et messieurs, chill, en basse pression, haute pression, ça va bien, merci grandement, chill. Ça va, ça se replace tranquillement, donc encore une fois, un sans filtre à l'air, hors du commun, vous les aimez ces sans filtre à l'air, vous nous les mentionnez également, donc... Chill est toujours plein. Une chance qu'on l'a pas fait en chess, Chill, cette fois-ci. Là. Ça a été vraiment quelque chose de grandiose. C'est bon. Ouais, exactement. Donc, encore une fois, merci, Chill, pour encore cette portion très enlevante de l'Express. Guillaume, on va regarder le portrait général du dernier programme du NASCAR NCQ, si tu le veux bien. Oui, mais pour cette fois-ci, on était sur le circuit du Kansas, donc pour le départ, un petit peu plus tranquille là, pour ce qui est des deux meneurs au championnat, Raceman ainsi que Montreal Racing, tous les deux exclus du top 5 là, suite au premier stage. Donc le top 5 étant composé de Nick Yann, Piedurka, qui fait son grand retour, là, lui qui a manqué quelques courses, mais réussit tout de même à bien se classer. Patou prend la troisième, Big Boss la quatrième et Apex Pat de la Custom Motors en cinquième. Par le suite, les choses se replacent quelque peu, mais seulement pour Raceman. Raceman s'empare de la tête, lui qui est revenu un petit peu de l'arrière. Donc Raceman s'empare de la tête au stage 2, suivi de Nick Yann, Apex Pat, Big Boss et Piedurka là, qui glisse au cinquième rang. Pour la finale, donc Raceman conserve la tête, Big Boss prend la deuxième, Apex Pat prend la troisième marche du podium, Patou la quatrième place et Unican la cinquième. Donc fin de semaine un peu plus difficile là, pour Montréal Racing, lui qu'on est habitué de le voir dans le top 5 pratiquement à toutes les courses. Donc voilà pour le résumé de la NASCAR. Donc la semaine prochaine, eh bien, ce sera sur Darlington Raceway. Comme on voit le classement en ce moment, Raceman trône toujours au sommet, Montreal Racing en deuxième là. Par la suite, pas beaucoup de changements au classement, reste encore de la place, je le répète là, on va penser que je joue toujours la même cassette, mais il reste de la place si ça vous intéresse. Les courses sont dimanche soir à 20h, informez-vous auprès de Nicolas Boutin alias Montreal Racing là, pour vous intégrer. On va enchaîner si tu veux bien, Guillaume, avec les diffusions seront assignés ce week-end. Oui, mais je reprends de nouveau le micro ce vendredi pour la Division 4 qui prendra part sur le Nürburgring Nordschleife, donc cette épreuve finale de cette saison 2. Je serai en compagnie de Jean-François comme à l'habitude pour vous décrire là, cette course qui s'annonce prometteuse en rebondissement. Donc par la suite, on aura la Division 1 sur SFTV comme à l'habitude. Et le lendemain, la rediffusion de la Division 5, cette fois-ci. Donc, en compagnie de Jean-François, encore une fois. Donc, une grosse fin de semaine là, pour nos pilotes, le Nürburgring, qui va être un gros défi. Là. Ça sera pas de tâche facile.
Tout à fait. Donc, encore une fois, on a passé au travers, monsieur, de cet Express. C'est ce qui complète le programme de la soirée de l'Express GTCQ. En espérant que le contenu vous a plu, on s'excuse un petit peu pour les petits désagréments de la diffusion en deux parties. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous l'offrir une fois de plus ce soir. Je remercie mes analystes habituels à la table, Guillaume Nadeau, ainsi que Chilo Odette. Oui, tu voulais rajouter, Guillaume. Oui, ben je voulais passer une petite annonce sur le site. Je sais que c'était pas prévu. On a Mickey Mike là, qui va ouvrir un salon. Là, c'est la course. Il commence une course dans 5 minutes. Sinon, demain soir, vous pouvez vous reprendre. On va avoir un salon de pratique aussi sur Nürburgring, de la part de Mickey Mike. Donc, vous pourrez pratiquer en compagnie de bien d'autres pilotes de la GTCQ. Excellent. Merci beaucoup de cette information aussi, Guillaume. Merci à nos auditeurs, justement, de ce soir également, d'avoir été présents pour cette 16e édition. On se retrouvera pour la 17e mardi prochain. Ça va très vite. On s'en va vers la conclusion de l'Express de la saison. Évidemment, donc on aura passé au travers et j'espère que vous appréciez le spectacle aussi également. On se retrouve le 11 mai prochain, mardi prochain. Merci à notre commanditaire officiel de l'Express, également MC Project. Bonne fin de soirée à tous, portez-vous bien et à la prochaine!